Lundi 12 décembre, sur Instagram, Julien Courbet a partagé une vidéo dans laquelle il explique qu'il a offert des places pour son spectacle à son fils Gabin. Place qu'il a retrouvée à la poubelle. Fête des gosses, a-t-il déploré. Ils vont, bientôt, fêter leurs 25 ans de mariage. Julien Courbet a épousé Catherine en 1998. Et depuis, c'est l'amour, toujours. Elle est mon grand amour, confiait-il à Michel Drucker dans l'émission Vivement Dimanche, en 2012. Je pense qu'elle est définitivement la femme de ma vie. J'espère de tout mon cœur que nous fêterons nos 40 ans de mariage. Ensemble, Julien et Catherine Courbet ont eu deux enfants, Lola, 21 ans, et Gabin, 19 ans. Des enfants qui font le bonheur de leurs parents. Mais pas que. Lundi 12 décembre, sur Instagram, Julien Courbet, de son vrai nom Frédéric Courbet, a publié une vidéo dans laquelle il raconte une anecdote hilarante sur son fils Gabin. J'adore mon fils. Je vais vous dire pourquoi, a-t-il commencé, avant d'expliquer, les 10, 17 et 24 janvier 2023, je joue mon One Man Show au théâtre de la Tour Eiffel. Ça dure une heure, de 19h30 à 20h30, c'est 22 euros. En plus vous avez une coupe de champagne offerte. J'ai donné deux places à mon fils. Et il a tellement peur qu'on lui vole parce qu'il a tellement envie de voir son père qu'il les a bien cachées. J'ai trouvé les places. Il les avait mises dans la poubelle jusque-là, tout va bien. Mais Julien Courbet a dévoilé la chute de son anecdote. J'ai trouvé les places, il les avait mises dans la poubelle. C'est vrai que personne ne les aurait trouvées, bien sûr, a-t-il conclu avec ironie. Ah les enfants, il est jeune, il faut pardonner, sympa le fiston, le sale gosse, mon pauvre Julien, mais non, c'est une erreur de sa part, je veux bien ses places, a-t-on pu lire en commentaire. Ah, fête des gosses, comme Julien Courbet l'a souligné en hashtag.